Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala, kala, kaleshwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yoga Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Thank you.
pranayamam pratyaharam. Nitya nitya viveka vicharam. Nitya nitya viveka vicharam. Japya samita samadhi vidhanam. Japya samita samadhi vidhanam. Japya samita samadhi vidhanam. Kurvavadhanam mahadavadhanam. Kurvavadhanam mahadavadhanam. Namaskaram. Namaskaram à tous. Wow. Eh bien, tous les jours, on a des sessions sur les chaînes d'infos et diverses autres interviews ont lieu presque partout. Une question récurrente, c'est maintenant qu'on est confiné, qu'on est très anxieux, est-ce qu'on peut faire du pranayama? Est-ce qu'on peut faire de la méditation? Est-ce qu'on peut faire du yoga? Oh. Dans cette culture, il y a l'expression shamshana vairagya. Ça veut dire quelqu'un proche de vous. En particulier lorsque quelqu'un de votre âge meurt, vous allez à la crémation. Là, vous voyez cette personne qui était en vie la veille, aujourd'hui, pouf. Soudain, votre propre nature mortelle apparaît devant vos yeux. Bien sûr, jusque-là, vous étiez immortel. C'est uniquement quand vous voyez un autre être humain exactement comme vous. S'ils sont très âgés, vous dites « Ah, eux, ok, ça ne vous concerne pas, parce que vous êtes immortel. Ce sont eux, les gens mortels. » Mais quand quelqu'un que vous connaissez de votre âge ou à peu près quelqu'un dont vous êtes proche, vous les avez connus, lorsqu'ils meurent, soudain, ça vous frappe. Eh bien, celui-ci aussi est mortel. Vous verrez, des discussions s'engagent après la crémation dans les familles. À quoi bon? Pourquoi est-ce qu'on se bat? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce que tout ça veut dire? De toute façon, tout va se terminer comme ça un jour. Ce genre de très objectives, des discussions objectives vont avoir lieu. Mais le temps qu'ils sortent du lieu de crémation, le temps qu'ils s'approchent de leur voiture, il y a déjà une douzaine de messages WhatsApp. Vairagya a disparu et à nouveau pris par quelque chose, une autre mort doit avoir lieu. Eh bien, la prochaine pourrait ne pas être quelqu'un d'autre, ça pourrait être celui-ci. La prochaine pourrait ne pas être une autre personne. Mais comme la plupart des gens vivent en partant du principe que les autres meurent, vous savez, ces gens qui meurent, ils meurent, pas moi. Donc, maintenant, je pense que ce virus
fait lentement réaliser à tous leur nature mortelle, dans les têtes et dans les cœurs. Quelle façon malheureuse d'apprendre de simples faits sur la vie. Vous devez tuer 140 000 personnes sur la planète pour réaliser que nous sommes mortels. N'est-ce pas tragique? Mais c'est ainsi malheureusement. Mais en même temps, si l'on regarde la situation en Inde, peut-être que d'ici mi-mai, d'ici la fin juin probablement, ça pourra avoir complètement disparu, très probablement, à moins qu'une deuxième vague de... une deuxième génération de virus ne nous tombe dessus avec force. Ça, on ne le sait pas. Certaines personnes en parlent, mais personne n'en est certain s'il va y avoir une deuxième vague comme celle-ci. Vous verrez que d'ici juillet, août, tout le monde va à nouveau devenir immortel. Mais je suis sûr qu'il y aura quelques personnes sensées qui vont conserver cette prise de conscience que nous sommes mortels. Quand on dit que nous sommes mortels, tout ce qu'on dit, c'est que on a un temps limité. Nous n'avons pas été ici pour toujours. Nous ne serons pas ici pour toujours. Nous sommes ici pour un temps limité. Avant votre naissance, vous avez été mort pendant très longtemps. Et après votre mort, à nouveau, vous serez mort pendant très longtemps. Donc la plupart du temps, vous êtes mort. Vous n'êtes en vie que pour peu de temps. Dans ce peu de temps, quel bazar! Si simplement vous regardez cela, alors vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Quelle est la priorité numéro un? Naturellement, vous allez investir votre temps et vos énergies en elle. Mais en ce moment, comme nous sommes immortels, nous avons du temps pour toutes sortes de choses. Vous savez? Beaucoup de choses. Je ne veux pas faire de commentaires sur les modes de vie des gens. Mais bien des fois, ça me sidère. Si vous, en particulier, vous savez, en Inde, je n'ai pas l'occasion de voir grand-chose ces jours-ci parce que où que j'aille, les gens m'assaillent. Donc, pour quelque chose de temps en temps, aux États-Unis, si vous allez dans un grand mall, le nombre de fichues choses qui sont en vente, je n'arrive pas à y croire. Comment couper vos poils de nez? Il y a 25 différentes sortes d'instruments. Je regardais ça. Quoi? Non, différentes façons. Innovation sur innovation sur innovation. De la même façon, comment vous coupez les ongles? C'est toute une affaire. Toutes sortes de magasins, juste les ongles et les cheveux. Des produits pour les cheveux, des produits pour les ongles. Les sommes d'argent en jeu sont bien plus importantes que ce qu'on a investi dans nos cerveaux. Oui, et ça se voit, les résultats se voient. Donc, ce n'est pas pour faire un commentaire sur la vie de quelqu'un d'autre. Tout ceci a lieu parce que, quelque part, il y a un sentiment d'immortalité. Nous... Ce ne sont pas les individus, s'ils veulent faire quelque chose, ils peuvent le faire. Mais toute l'humanité, les entreprises, le commerce, tout est investi en ce sens. Simplement parce qu'ils sont devenus tellement importants. Comment je suis à cet instant, ma façon d'être est bien moins importante que mon apparence. Bien, bien moins. Eh bien, vous en payez le prix. Donc, on peut continuer comme ça, la quantité d'argent qui est dépensée pour... Vous savez, la quantité d'activité employée à produire de l'alcool pour causer une certaine quantité d'ivresse ou d'inconscience, les quantités d'argent. Parce que les gens arrivent même à se convaincre qu'ils fonctionnent mieux avec de l'alcool. Eh bien... Vous savez, parce que de nos jours, dans certaines des universités où je suis allé aux États-Unis, je ne veux pas les nommer, de très riches universités,
ils ont des distributeurs de bière gratuites. Différentes marques, les plus grandes marques aux États-Unis. Je n'ai pas vu la Corona, mais les autres, elles ont des distributeurs où la bière est gratuite. Pour les étudiants, à tout moment de la journée, ils peuvent boire. Parce que ce n'est pas vraiment considéré comme une boisson forte, c'est juste légèrement, comme ça. Donc, les étudiants arrivaient tous un peu barbouillés. Non, non, je ne parlais pas de vous. Et puis, le professeur a fait un commentaire là-dessus. Alors, bien sûr, parce que tout le monde a une philosophie et vous savez, il y a une trame philosophique derrière toutes les idioties que l'on fait, toujours. Donc, ils ont dit, pourquoi faites-vous des commentaires négatifs sur notre consommation de bière? Parce que la plupart des gens fonctionnent mieux avec de l'alcool. Alors le professeur a dit, personne ne fonctionne mieux avec de l'alcool. C'est juste qu'ils ont moins honte de mal faire les choses. Ils font mal les choses, mais ils le font avec le swag, parce qu'ils n'ont plus honte de mal faire les choses. Si vous n'êtes pas ivre, si vous faites mal quelque chose, vous vous sentez mal. Mais quand vous êtes bourré, vous pouvez faire des choses stupides et quand même en être fier. C'est un avantage. Donc maintenant, tout le monde veut apprendre le pranayama, la méditation, se tourner vers l'intérieur, la spiritualité. Pour le moment, restez juste en vie. Restez sensé. Restez sensé, restez équilibré, restez en vie. C'est ce que vous pouvez faire de mieux en ce moment. Tout à coup, parce que vous avez lu deux phrases dans un livre sacré, vous ne devenez pas spirituel. Vous avez juste besoin... Voyez, ce que vous recherchez, ce n'est pas la spiritualité. Ce que vous recherchez, c'est un peu d'équilibre psychologique. Parce que vous devenez fou en restant chez vous. Non pas que vous soyez très sain d'esprit en allant au travail. C'est juste que votre folie était répartie entre beaucoup de gens. Donc elle ne se faisait pas sentir. Maintenant, elle est concentrée sur quelques personnes. Donc elle est clairement là. Je suis sûr que les gens à la maison, certains d'entre eux vous disent clairement qui vous êtes vraiment. Ça arrive. Parce que, à l'extérieur, vous savez, les contacts sont limités. Donc les gens vont vous dire des choses gentilles. Vous êtes sorti, quelqu'un vous a dit, vous êtes l'être humain le plus merveilleux, parce qu'ils veulent que vous fassiez quelque chose pour eux. Donc, vous flottez sur un petit nuage, le numéro, peu importe. Ici dans le sud, c'est le 11. Peut-être qu'ailleurs, c'est le 9. On prend plaisir à surfer le nuage numéro 11, pas le 9. Pas le nuage 9. Ici, en Inde du Sud, c'est le 11, parce qu'on est à 11 degrés de latitude, vous savez, tout est 11. Mais vous êtes rentré chez vous, les gens à la maison vous ont dit qui vous êtes vraiment. Pouf, le nuage fond. La morale de cette histoire, c'est que le nuage n'est pas un bon véhicule pour vous, que ce soit le 1 ou le 11. Parce qu'à tout instant, il va fondre. Ce n'est pas un bon véhicule. Dans les contes de fées, ils utilisent des nuages. Ils utilisent même des citrouilles. Ne faites pas ces choses. Vous n'avez pas d'autre véhicule, utilisez ces deux-là. Autrement, construisez quelque chose de fiable, de résistant, qui va vous faire traverser. Vous essayez de voyager sur un nuage. On sait où vous allez terminer. Très clairement, quel que soit le numéro du nuage, je vous le dis. Si vous essayez de voyager sur un véhicule instable comme celui-là, vous allez vous écraser. En ce moment, c'est tout ce qui s'est passé. Vous devez vivre cette vie à travers ce véhicule, ce corps et ce mental. Maintenant, un peu de chaleur autour de vous, ce nuage s'évapore.
Soudain, il vous laisse tomber. Bien des fois, il vous a rebuté. Peut-être parfois, mû par des esprits. Un petit garçon demande à son père, « Papa, comment appelle-t-on ces gens qui nous connectent aux esprits ?» Le père dit, « Barman. » Donc, peut-être parce que vous êtes connecté aux esprits, le nuage a beaucoup gonflé et des choses fantastiques ont eu lieu, mais ça va s'effondrer. Donc, pranayama, pratyahara, nitya, nitya, viveka, ceci veut dire, à travers une attention intense, vous déchiffrez ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est la nature de l'existence, ce qui est inventé dans votre mental. Cette distinction, vous devez la faire. Si vous prenez votre processus de pensée pour l'existence, bien sûr que vous allez souffrir. Vous devez souffrir. Autrement, à quoi sert ma vie? Si vous, avec des idées fantaisistes, vous flottez en extase toute votre vie, à quoi bon des vies entièrement d'efforts pour déchiffrer ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai? Donc, ceci doit être fait. Si le virus vous a inspiré, merci au virus. Mais ne pensez pas que... Vous savez, je crois que le confinement prend partiellement fin dans 2 jours, le 20. En 2 jours, vous voulez devenir spirituel? Non, vous pouvez prendre une résolution, mais vous ne pouvez pas tout à coup prétendre être spirituel, parce que la spiritualité n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une attitude que vous adoptez, ce n'est pas un système de croyances. Processus spirituel veut dire que vous vous démêlez clairement de toutes les choses que vous avez concoctées. Tout votre investissement. Quand je dis toutes les choses que vous avez concoctées, cela inclut tout, votre paysage social, votre famille, votre corps, votre mental, toutes ces choses, vous les avez concoctées. Non, je n'ai pas concocté mon corps. Si, vous l'avez soit bien concocté, soit mal concocté, mais vous l'avez concocté. Si vous vous dégagez, ou au moins créez un petit espace entre tout ce que vous avez concocté, alors, le processus spirituel est un processus naturel, il n'y a pas d'autre façon de vivre. Donc, cet intérêt soudain pour la spiritualité est vraiment merveilleux, mais je regarde ça avec une pointe d'amusement. Combien de temps ce désir ou cette aspiration vont durer? Dès que le confinement sera levé, sera-t-il levé ailleurs? Où le virus a-t-il définitivement amené une certaine prise de conscience dans votre vie? C'est fantastique. Si c'est le cas, ça devrait l'être. Encore 2 jours en Inde, si vous êtes un agriculteur. Autrement, encore 15 jours. D'accord? Si vous n'êtes pas dans des services essentiels, encore 15 jours. 2 semaines, c'est beaucoup de temps pour prendre conscience. Prendre conscience ne prend pas 15 jours ou 2 semaines. Ça prend juste un instant de bon sens. Pour en arriver là, combien de temps vous faudra-t-il? Décidez-vous, s'il vous plaît. Parce que, au moins, je vous l'ai toujours rappelé, mais maintenant, le virus fait passer le message autrement. Que la vie est un événement très bref. Donc, combien de temps voulez-vous prendre pour vous décider? C'est tout. Une fois que vous vous décidez, oui, je veux connaître la nature de cette vie. Ce n'est pas très loin. Parce que ce qui est en vous n'est pas très loin. Comme je vous l'ai dit à maintes reprises, vous savez, des gens voulaient aller au centre Isha Yoga. En ce moment, il est confiné, je le dis juste pour ceux d'entre nous qui ne sont pas ici. Et ils arrivent dans un village du coin et demandent à un garçon, un jeune garçon, à quelle distance est le centre Isha Yoga?
Il dit qu'il est à 24 996 km. Quoi? Si loin? Il dit, oui, dans la direction où vous allez. Si vous faites demi-tour, c'est à 4 km. C'est juste ici, pas là. Si c'était là, combien de temps? Combien de temps? Quand c'est ici, où y a-t-il une durée? C'est juste une question de bonne volonté. Cette question est d'Arundhati. Namaskaram Sadhguru. Vous critiquiez les systèmes de croyance hier, mais quelqu'un qui croit en un certain Dieu peut avoir une merveilleuse expérience de la vie grâce à cette croyance. En quoi cela est-il différent de quelqu'un dont l'expérience de la vie est merveilleuse grâce à une divinité créée sous la forme d'Ayantra? Voyez, comme vous croyez quelque chose, quand vous croyez quelque chose, ça vous donne beaucoup de confiance. C'est la raison pour laquelle on croit. Eh bien, on a commencé par croire en Dieu. Ces jours-ci, c'est devenu tendance de dire « je crois en moi ». Je ne sais pas ce que cela veut dire. Comment pouvez-vous croire en vous? Non, non, je crois en moi. Tout ce que vous essayez de faire, c'est un exercice pour booster votre confiance. La confiance est une fichue chose dangereuse. Les choses les plus stupides dans le monde sont faites parce que quelqu'un est confiant, sans avoir la moindre lucidité sur la chose. Les choses les plus stupides et désastreuses sont faites par des gens qui sont confiants sans être lucides. Et ce sont généralement des croyants. Ils croient en ça, ou ci, ou ça, ou quelque chose. Essentiellement, croyance veut dire que vous êtes fondamentalement malhonnête. Vous n'êtes pas prêt à voir que je ne sais pas. Eh bien, quelqu'un croit, et sa vie est merveilleuse. Leur vie est peut-être merveilleuse, parce qu'ils sont dévoués à quelque chose. Ça peut être une divinité, ça peut être le temple. En général, les dévots ne font pas grand-chose avec la divinité. Ils balaient le temple, ils lavent le temple, ils nettoient ceci et cela, ils font la vaisselle dans le temple, et tout ça leur donne une sensation merveilleuse parce qu'ils sont dévoués. C'est comme, vous savez, quelqu'un a un enfant, un petit bébé. Oh, ils sont tellement dévoués à cet enfant. Tout est merveilleux. Changer la couche est merveilleux, lui essuyer les fesses est merveilleux, tout est merveilleux. Oui, c'est le cas. Pas parce que la crotte est merveilleuse, simplement parce que vous êtes dévoué. C'est pour ça que tout donne une sensation merveilleuse. C'est la nature de la dévotion. Que ce soit un enfant, ou un temple, ou un dieu, ou une divinité, ou un arbre, peu importe. Si vous êtes dévoué, votre dévotion va tout rendre beau, parce que la dévotion est l'émotion la plus douce que vous puissiez cultiver en vous-même. Quand votre émotion est si douce, qu'est-ce que ça fait? Que vous ayez bien mangé, pas bien mangé, bien dormi, pas bien dormi. Rien n'a d'importance, tout est beau. C'est le pouvoir de la dévotion. Donc avec un système de croyance, si vous essayez de construire de la dévotion, très bien, mais la dévotion est juste une étape. Il n'y a pas besoin de créer une autre étape intermédiaire, parce que cette étape intermédiaire peut être extrêmement trompeuse. Quand vous croyez, vous vous mettez à avoir raison, les autres se mettent à avoir tort. Un dévot ne pense jamais ainsi. Un dévot n'a jamais raison. Il sait qu'il ne sait rien. Mais tout ce qu'il sait, c'est « je suis dévoué », c'est tout. Et ça, c'est le pouvoir de la dévotion. Vous transcendez toutes les limitations de votre propre logique, rien qu'à travers le pouvoir de la dévotion. Et la vie devient extraordinairement belle. Ce n'est pas que vous savez quoi que ce soit, vous ne savez peut-être rien, mais ça n'a pas d'importance, parce que le pouvoir de la dévotion est au-delà du pouvoir de la connaissance. Oui, c'est le cas. Donc, ça ne vient pas de votre système de croyance, c'est parce que votre cœur a fondu pour quelque chose. Peu importe ce que c'est, ça peut être un enfant, ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être un arbre, ça peut être une cause, ça peut être n'importe quoi.
mais vous êtes dévoué à quelque chose. Et le mieux est de vous dévouer à quelque chose qui ne change pas trop de forme. Voyez, vous venez de vous marier, vous êtes très dévoué, mais au bout de 3 jours, parce que ce à quoi vous vous êtes dévoué et cette créature sont 2 choses différentes. Donc c'est la raison pour laquelle le mieux est de vous dévouer à une divinité immuable. Oui, c'est un outil fantastique, je ne m'en moque pas. C'est un outil fantastique, parce que ça règle une dimension importante de ce que vous êtes, c'est-à-dire vos émotions. Les gens pensent qu'ils sont intellectuels, ils ne le sont pas, ils sont en grande partie émotionnels. Émotionnel veut dire, ils ne sont peut-être pas débordants d'amour, ils sont en colère, ils sont anxieux, ils sont agités, tout ça ce sont des émotions qui ont mal tourné. Si simplement vous devenez dévoué, toutes ces choses disparaissent, uniquement la douceur de votre cœur, tout le temps. Donc la dévotion a ce pouvoir. Ne confondez pas la dévotion avec croire en quelque chose. Croire en quelque chose veut dire que vous avez inventé quelque chose dans votre tête et que vous en faites une réalité. Non, cela n'est pas la dévotion. Cela conduit au fanatisme. Quelle est la différence? Il y a une grosse différence. L'une a lieu dans votre tête, l'autre a lieu au niveau de vos émotions. L'une est inventée dans le processus de pensée, l'autre n'est pas inventée dans le processus de pensée, c'est juste la façon dont vous vous sentez. Ça n'a pas besoin d'avoir raison, ça n'a pas besoin d'avoir tort. Les dévots se fichent de savoir si quelque chose est bien ou mal. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont dévoués. Cela leur donne un sentiment de liberté et leur permet de survoler tous les terrains difficiles dans leur vie. Oui, ils ne touchent aucune aberration, ils survolent simplement tout. Simplement parce que des émotions douces ont le pouvoir de faire cela. Et même aujourd'hui, bien que les gens pensent et prétendent être intellectuels, les émotions restent la dimension la plus forte chez la plupart des êtres humains. Peut-être qu'elles ne s'expriment pas, leur expression est devenue constipée, mais à l'intérieur, ça les travaille en permanence. Ils n'éprouvent pas un sentiment d'amour absolu envers tout. Mais ils sont en colère contre tout, ils sont inquiets de tout, ils sont tendus à propos de tout. Tout ça, ce sont des émotions. La question suivante est de Prabhu. Namaskaram Sadhguru. Hier, vous avez décrit les divinités comme des outils. Dans mon expérience, tous les outils que j'utilise améliorent le fonctionnement de l'un de mes organes des sens. Je ne suis pas capable de percevoir quoi que ce soit en dehors des 5 organes d'essence, alors comment puis-je utiliser un outil comme une divinité qui soi-disant améliore ma perception d'une dimension que je ne peux même pas percevoir en ce moment? Non, d'abord améliorez votre perception existante. Portez des lunettes, vous verrez mieux, vous savez. Oui, juste une petite lentille, une lentille invisible. Si vous portez une lentille de contact, soudain, le monde devient clair, vous savez. C'est tout ce que ça demande. Maintenant, n'approchez pas une divinité en vous disant « je veux accéder à ci, je veux accéder à ça ». Il y a des gens qui font ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. La chose simple, c'est si la divinité est consacrée comme il faut, quand je dis comme il faut, chacune d'entre elles est consacrée, normalement, dans un but en particulier. Maintenant, nous avons le Dhyanalinga. C'est fait pour la méditation. Vous n'allez pas pleurer là-bas. Ma situation financière n'est pas bonne. S'il vous plaît, ce gars est juste assis comme ça. Parce qu'il ne sait pas ce qu'est une situation financière, il s'en fiche. Parce qu'il ne mange pas, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'une situation financière veut dire pour lui? Ensuite, vous allez à Devi, vous savez. Là, vous pouvez pleurer. Comme elle a besoin de ces choses, elle comprend cette partie-là. Et ainsi de suite, différentes choses sont conçues dans divers buts. Tout cela a peut-être été englouti dans la culture aujourd'hui. Les gens pensent qu'un temple est un temple. Ce n'est pas le cas.
Eh bien, j'ai essayé d'expliquer cela à propos de certains temples autour desquels il y a des controverses. Certains des hommes ici se plaignent. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas être, vous savez, Devi Bairaganas? Pourquoi n'y a-t-il que les femmes qui s'occupent du temple? Pourquoi est-ce que ça leur serait réservé? Discrimination sexuelle. C'est comme ça parce qu'elle est consacrée comme ça. Elle a besoin de femmes, elle a besoin de femmes autour d'elle. Elle a besoin de ça. Et c'est la façon dont elle est faite, dans un but en particulier. Donc, si elle est bien consacrée dans un but en particulier, il y a différentes sortes de consécrations. Il y a des consécrations qui simplement réverbèrent. Elles n'ont pas de discernement. C'est comme, eh bien, vous avez ces lingas dans le Suryakun. Elles n'ont pas de discernement, elles réverbèrent simplement. Elles ont été conçues pour une énergie masculine, elles réverbèrent simplement. Peu importe qui arrive, elles ne le savent pas. Même si vous mettez un buffle dans le bassin, elles ne le sauront pas. Elles feront la même chose, parce qu'elles... C'est comme une lampe. La lampe est allumée, vous pouvez lire, vous pouvez écrire, vous pouvez voir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle s'en fiche, elle émet juste de la lumière, c'est tout. Donc, ce sont ce genre de consécration, il n'y a aucune distinction ou aucun discernement en elle. Mais Dhyanalinga, Devi, elles sont faites différemment, il y a un discernement. Ce n'est pas que, si je dis ça, ça pourrait être pris à la lettre. Si vous entrez dans le temple, la divinité sait qui vous êtes. Qui vous êtes ne veut pas dire votre nom, le nom de votre père, on s'en fiche. Même moi, je n'ai pas demandé comment s'appelle ton père. Quand j'ai voulu épouser ma femme, je ne lui ai pas demandé comment s'appelle ton père. Mon père n'en revenait pas. Tu ne connais pas le nom de son père et tu épouses cette fille. J'ai dit, j'épouse juste la fille. Donc, il y a des gens qui veulent connaître le nom du père, sa richesse, son statut financier et son statut social, parce qu'ils épousent autre chose. Donc, cette capacité de la divinité à vous reconnaître a été faite de bien des façons. Celle-ci est faite de façon très raffinée et sophistiquée, pour qu'elle reconnaisse n'importe qui selon leur situation énergétique. Comment est leur vie à l'heure actuelle, quel niveau d'évolution, comment elle est, ces choses-là. Mais il y a d'autres divinités, c'est très courant en Inde du Sud, c'est probablement perdu ces jours-ci au Nord. Nous avons des Kula Devatas ou Kula Devams, ce qui veut dire une certaine divinité créée pour une certaine Kula. Kula veut dire une subdivision d'une caste. Donc ici, le patrimoine génétique de cette Kula est entreposé et la divinité est consacrée pour ne servir que ce genre de génétique. C'est la raison de ces luttes dans les villages pour tout mariage, inter-Kula ou inter-caste. Ils se battent parce que dans ce cas, vous n'aurez pas votre propre Dieu. Vous allez devenir hors-caste. Eh bien, cela a pris une dimension sociale et des formes affreuses, c'est un autre sujet. Mais essentiellement, ça vient de cette compréhension fondamentale, parce que vous avez créé une forme énergétique qui prend soin de cette information génétique en particulier. Si quelqu'un qui n'appartient pas à cela arrive, elle ne va pas répondre. Donc ces choses étaient faites de façon très scientifique, dans divers buts. Il y a de nombreux processus fantastiques encore aujourd'hui, mais perdus pour la plupart. Donc il est préférable de créer des choses universelles qui ne sont pas basées sur la génétique, mais basées sur le degré d'évolution des énergies. C'est ce qu'on fait, c'est pourquoi ces nouveaux temples qui ne vont pas vous reconnaître selon votre génétique, ils ne vont pas vous reconnaître selon votre parenté, mais vous reconnaître pour ce que vous êtes, à cet instant.
Donc ces deux types de consécration existaient déjà dans les temps anciens. Mais la plupart des temples étaient faits pour le patrimoine génétique parce que c'est ce que les gens finançaient. Ils veulent un certain temple dans leur ville, pour leur clan, pour leur bien-être. Ils ont créé ces choses. Quelques-uns ont été créés pour le bien-être de tous. Donc, ils ont toujours été appelés autrement. Pour vous donner une idée, disons qu'ici, il y a un temple Mariaman. Il aura le préfixe d'une certaine Kula, et ensuite ça. Mais disons un autre temple, comme par exemple Kashi Vishwanath, c'est Vishwanath, c'est-à-dire qu'il est pour le monde entier. Il ne vous reconnaît pas en fonction de votre génétique, il vous reconnaît en fonction de ce que vous êtes à cet instant au niveau de vos énergies, au niveau de votre évolution, où vous en êtes à cet instant. Dans ce contexte, Dhyanalinga ne va pas reconnaître votre génétique, il se fiche de savoir si vous êtes arrivé du ventre de votre mère ou tombé du ciel. On s'en fiche, parce que on ne se dit pas qu'être sorti du ventre de votre mère ou être tombé du ciel, que l'un est supérieur à l'autre, peu importe comment vous êtes arrivé, comment vous êtes à cet instant, c'est tout ce qui compte. Donc, c'est une autre dimension de consécration. Donc, lorsqu'on parle de divinité et de développer votre perception, vous n'y allez pas pour développer votre perception. Il y a un processus, ce qu'il faut faire. Vous faites simplement ce processus. Il se pourrait que ça vous développe. Oh, donc c'est incertain, n'est-ce pas? Ce n'est pas incertain. Ça dépend de où vous en êtes, en fonction de ça, ça va vous développer. Si vous êtes développé pour quelque chose auquel vous n'êtes pas prêt, vous allez devenir fou, croyez-moi. Vous allez perdre la tête. Si vous aviez vu les choses que j'ai vues quand j'étais très jeune, je vous le dis, vous auriez perdu la tête, beaucoup d'entre vous. Parce que j'ai vu toutes sortes de choses. Et je suis resté assis comme ça, et même mon entourage pensait que j'avais un problème psychique, parce que j'étais assis à voir toutes sortes de choses impossibles. Donc, si vous développez la capacité de voir une chose à laquelle votre structure mentale ou votre structure énergétique n'est pas prête, vous serez brisé. Donc, ne partez jamais à la recherche d'un certain niveau de perception. Vous faites simplement le processus. La divinité a été créée de telle manière, son intelligence est plus élevée que la vôtre. Vous lui permettez de travailler avec vous. Vous faites juste votre sadhana, telle qu'elle est prescrite. C'est l'accès, c'est le code. Faites-en simplement usage, et ce à quoi vous accédez, voyons voir. Ça dépend de qui vous êtes. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahāyā.